بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذن فيديو اليوم يأتي تماشيا مع الظرفية الصعبة التي يعيشها بلادنا بخصوص فيروس كورونا. اليوم قررت أن أبدأ في تقديم دروس خاصة بالمستويين الخامس والسادس في مادتي اللغة الفرنسية والرياضيات. Donc, la leçon d'aujourd'hui concerne l'activité de la grammaire, le complément circonstanciel de lieu, CCL. Donc, comme vous voyez, j'ai proposé trois phrases. La première, j'ai vu Nabil à l'entrée de l'aéroport. La deuxième, elle a enregistré ses bagages au guichet numéro 5. La troisième, dans la salle d'embarquement, il y a beaucoup de passagers. Donc, regardez la première phrase. J'ai vu Nabil à l'entrée de l'aéroport. On pose la question, où as-tu vu Nabil? J'ai vu Nabil à l'entrée de l'aéroport. Donc, à l'entrée de l'aéroport. La deuxième phrase, où Nabil a-t-il enregistré ses bagages? Elle a enregistré ses bagages au guichet numéro 5. La troisième, où est-ce qu'il y a beaucoup de passagers? Il y a beaucoup de passagers dans la salle d'embarquement. Donc regardez, la première phrase, j'ai vu Nabil à l'entrée de l'aéroport. Donc le complément circonstanciel, c'est à l'entrée de l'aéroport. À l'entrée de l'aéroport, l'aéroport c'est un lieu, donc c'est un complément circonstanciel de lieu. Elle a enregistré ses bagages au guichet numéro 5. Donc le guichet numéro 5, c'est un lieu. Donc Nabil a enregistré ses bagages où? Au guichet numéro 5. Donc ici, il y a beaucoup de passagers où? Dans la salle d'embarquement. Donc à l'entrée de l'aéroport, au guichet numéro 5, dans la salle d'embarquement, ce sont des compléments circonstanciels de lieu. Regardez, si on supprime à l'entrée de l'aéroport, au guichet numéro 5, dans la salle d'embarquement. Il reste, j'ai vu Nabil, il a enregistré ses bagages, il y a beaucoup de passagers. Donc, je remarque que les phrases ont toujours un sens, mais elles sont moins précises. Ça veut dire moins précise. Donc ici, il y en a, j'ai vu Nabil, mais j'ai vu Nabil où? À l'entrée de l'aéroport. Il a enregistré ses bagages où? Au guichet numéro 5. Il y a beaucoup de passagers où? Dans la salle d'embarquement. Donc, la règle qu'on peut déduire d'après ça est la suivante. Donc, j'efface les phrases. Donc, la règle, je retiens. Donc, le complément circonstanciel de lieu, CCL, l'abréviation, est un mot ou un groupe nominal. Ou un groupe nominal qui fait quoi? Qui apporte une précision, il précise. Précision sur quoi? Sur le lieu de l'action. Il précise le lieu. Où as-tu vu Nabil? J'ai vu Nabil à l'entrée de l'aéroport. Deuxième tiré. La deuxième tiré. Le complément circonstanciel de lieu répond aux questions où, d'où, vers où, et ainsi de suite. Troisième théorie, le complément circonstanciel de lieu peut être déplacé ou bien supprimer, ou bien déplacer sans changer
le sens de la phrase. De la phrase. Donc peut-être déplacer ou changer sans changer le sens de la phrase. On passe maintenant pour faire un exercice d'application, pour appliquer ce qu'on a vu. Et maintenant, je vais vous présenter un exercice d'application. Donc la question c'est souligner le complément circonstanciel du lieu. Donc j'ai proposé quatre phrases. La première, l'avion atterrit sur la piste. La deuxième, dans la salle d'attente, les passagers s'endorment. La troisième, les plus vieux sont assis à l'arrière. La quatrième phrase, l'hôtesse de l'air se place devant la porte pour contrôler les billets. Donc on va souligner les compléments circonstanciels de lieu. Donc, dans la première phrase, l'avion atterrit. L'avion atterrit où ? Sur la piste. Sur la piste, c'est complément circonstanciel de lieu. C'est CL. Dans la salle d'attente, les passagers s'endorment. Les passagers s'endorment où ? Dans la salle d'attente. La salle d'attente, c'est le lieu. Complément circonstanciel de lieu, CCL. Les plus vieux sont assis à l'arrière. Les plus vieux sont assis où ? Donc, à l'arrière. Complément circonstanciel de lieu. L'hôtesse de l'air se place devant la porte pour contrôler les billets. Donc, l'hôtesse de l'air se place où ? C'est devant la porte. C'est complément circonstanciel de lieu. Donc c'est ça la leçon de la grammaire, le complément circonstanciel de lieu. تلقاكم في فيديوهات اخرى في دروس اخرى. Donc اشتركوا في القناة وفعلوا الزر ديال الجرس باش يوصلوكم الدروس الاخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.